Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre une chose plus qu'importante. On va apprendre un chapitre parmi les chapitres du Coran, un chapitre qui va nous permettre de demander la guérison à Allah subhanahu wa ta'ala, un chapitre qu'on pourra réciter le matin, qu'on pourra réciter le soir 3 fois, le matin 3 fois, le soir 3 fois, et aussi après chaque prière. Et lorsqu'on aura mal, lorsqu'on se sentira pas bien, eh bien on pourra réciter également ce chapitre. Ce chapitre, c'est Surat al-Falaq, c'est celui qui vient juste après Qul huwallahu ahad qu'on a vu précédemment. Donc si ce n'est pas encore fait, allez voir les vidéos précédentes pour apprendre Ayat al-Kursi, pour apprendre Qul huwallahu ahad, et aujourd'hui on va apprendre Surat al-Falaq. Donc on ne va pas apprendre le vocabulaire, ou plutôt la signification du vocabulaire qu'il y a dans ce chapitre, mais on va plutôt l'apprendre à la réciter par cœur, sans trop d'erreurs, je l'espère, Inch'Allah Ta'ala. C'est parti. Si ce n'est pas fait, n'oubliez pas. Et pourquoi ce n'est pas encore fait? Bah, abonne-toi, d'accord? Allez, tu t'abonnes, tu t'actives la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Partage cette vidéo le plus possible sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc. Surtout, partage-la. En partageant, tu gagneras toi aussi, Inch'Allah Ta'ala, si tu as une bonne intention, eh bien, de bonnes actions. Et c'est toujours tac-tac, 2 clics. Yaoum al-Qiyamah, ça pourra toujours être utile. Allez, on va commencer tout de suite, Inch'Allah, c'est parti. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On va commencer tout de suite sans perdre trop de temps, donc regardez bien, écoutez bien ce que je dis et ça va le faire. C'est pas très long, quelques versets, donc je vais vous l'écrire ici entièrement, ici ou ici, peu importe. Je vais vous l'écrire entièrement et ensuite on va l'apprendre petit à petit. Donc quand on commence, on dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Ça, on le dit une fois au début. Ensuite, on va dire « Al-Basmalah ». Al-Basmalah, c'est quoi? C'est le fait de dire « Bismillahir Rahmanir Rahim ». « Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab ». Vous avez vu, super facile, c'est parti, on commence, concentration, Ya Rabbal Alamin, aide-nous. Allez, vous répétez après moi, comme d'habitude. Qul, 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 Qul. Donc si vous avez appris au préalable Qul huwallahu ahad, donc là ça commence pareil, Qul, Qul, Qul. Ensuite, après Qul, on va rajouter un mot, on dira Qul a'ouzu, Qul a'ouzu, Qul a'ouzu. Allez avec moi. Qul a'ouzu, 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 Qul a'ouzu. Après moi. Qul a'ouzu. قل أعوذ 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 قل أعوذ. أعوذ, c'est comme quand on dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ. قل أعوذ. On rajoute قل أعوذ بربي 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 بربي. قل أعوذ بربي. قل أعوذ بربي قل أعوذ بربي قل أعوذ بربي قل أعوذ بربي قل أعوذ برب قل أعوذ بربي 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 قل أعوذ برب الفلق الفلق قل أعوذ برب الفلق 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 قل أعوذ برب الفلق. Allez avec moi et ensuite je vous laisserai répéter après moi. قل أعوذ برب الفلق 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 قل أعوذ برب الفلق. Allez, après moi. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق. Qu'est-ce que ça fait du bien de réciter le Coran. قل أعوذ برب الفلق. Ça apaise les cœurs, ça apaise l'âme. قل أعوذ برب الفلق. Parfois, quand je parle comme ça, surtout, vous arrêtez pas. Hein. Juste moi, je parle, mais vous continuez à réciter. قل أعوذ برب الفلق. 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 Ensuite, hein, ces vidéos que je fais avec vous pour essayer de vous enseigner quelques chapitres du Coran, c'est pour que vous puissiez les utiliser dans la vie de tous les jours et aussi dans vos prières. Mais il faut absolument, pour s'améliorer dans la prononciation, pour améliorer ses oreilles, pour améliorer la sortie des lettres, se mettre devant un professeur qui va t'aider justement à ne pas faire d'erreur et justement te corriger. Donc ça, c'est très important, hein, n'oubliez pas cela. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق. Parce que parfois on pense qu'on récite bien, mais on ne récite pas bien. Parce que tes oreilles n'ont pas encore l'habitude des vrais sons, et toi tu penses que tu l'as bien prononcé puisque tu t'entends, donc tu entends ce que tu as prononcé, mais pour toi c'est bien ce que tu as dit, mais celui qui est en face de toi, le professeur, lorsqu'il va t'entendre, il va dire « Ah non, là tu n'as pas dit, fais plutôt comme ça, change plutôt ça, etc. » Très important. Le Coran, lorsqu'il a été envoyé dans les 4 coins du monde pour enseigner la lecture, à chaque fois il y avait le Mus'haf, c'est-à-dire le livre, et en plus avec il y avait un récitateur, justement parce que l'écriture ne suffit pas. Il faut absolument l'écriture et la personne qui va donner l'oral, qui va donner la bonne prononciation. On continue avec le deuxième verset, donc « Qul a'udhu bi rabbil falaq », c'est très facile, « Min sharri ma khalaq », 4 mots. « Min sharri », « Min sharri », Min sharri, allez avec moi. Min sharri, 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 min sharri. Après moi. Min sharri, min sharri, min sharri, min sharri, min sharri. Min sharri, min sharri, min sharri, min sharri, min sharri, min sharri, min sharri ma khalaqa, ma khalaqa, ma khalaqa, khalaqa, ma khalaqa, min sharri ma khalaq, 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 min sharri ma khalaq. Et là, il y a des règles de tajwid que je ne fais pas avec vous, hein. Mais ça, c'est pour ça qu'après, il faudra se mettre avec une personne pour corriger tout cela si vous voulez mieux réciter le Coran. Mais déjà, ce que je vous donne, ce n'est pas une erreur, hein, c'est bon. Min sharri ma khalaq, 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 min sharri ma khalaq. Après moi. Min sharri ma khalaq, 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 min sharri ma khalaq. Depuis le début, allez au moins 10 fois les deux premiers versets. Vous répétez après moi. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Donc vous voyez, on doit faire comme ça normalement. Min, là je me suis oublié, je l'ai fait avec vous. Si vous voulez faire comme ça, allez, on va le faire comme ça. On va dire min sharri ma khalaq. Allez, on recommence. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Téléphone. Désolé. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. 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 Allez, encore une fois. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن شر 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 ومن شر. À toi. ومن شر 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 وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ on rajoute un mot وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ Ra, c'est comme le rat de Raoul, hein? Ra, ra-siqin. Sauf que le ra ici, on va le faire un peu grave, on va mettre beaucoup d'air dans la bouche. Ra, ra. Wa min sharri ra-siqin, 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 ra-siqin. غاسق ومن شر غاسق ومن شر غاسق ومن شر غاسق ومن شر غاسق وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ. Et s'il y en a parmi vous qui ont du mal avec certaines lettres, avec certains sons, sur la chaîne de l'arabe facile, il y a tout l'alphabet, comment sortir le son de chaque, comment sortir chaque lettre de l'alphabet. Donc allez jeter un œil. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ 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 إِذَا وَقَبَ 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 إذا وقب 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 إذا وقب. Depuis le début, juste ce verset là, le troisième verset. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Allez, 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 allez. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 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 وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Allez, on reprend tout depuis le début, les trois premiers versets. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. Elle a encore 4 fois. Moi je compte avec mes doigts là. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. Et vous pouvez tous faire une invocation pour la petite Sarah. حفظها الله وبارك الله فيها وجزاها الله خيرا ورزقها الله الجنة. Parce que c'est par son biais que j'ai commencé cette série de vidéos avec Surat al-Fatiha. Et je me suis dit, tiens, je vais rajouter quelques surahs après. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. Qu'il y a quelqu'un à la porte. Marhaba. Un touriste. Ah, c'est Anwarou. C'est pour YouTube. Vous voulez le voir? Ah, regardez qu'est-ce que vous allez voir de lui. Ah, juste une petite main. Allez, on continue. Il ne faut pas qu'il nous perturbe. Il y a Anwar. Alors on continue. On va rajouter donc le 4e verset et ça commence toujours pareil. Wa min sharri, wa min sharri, wa min sharri. Donc ça, on va le prendre rapidement. Wa min sharri. Le mot qui vient après c'est wa min sharri nafathati. Nafathati. Donc sur le n, on reste un petit peu, on reste à peu près 2 secondes. Ensuite le fa. On va prolonger fait, ensuite fait, on va prolonger fait ti, nafathati, wa min sharri nafathati, wa min sharri nafathati. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. On va répéter après moi. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. Vous avez vu, on insiste un peu sur le fa. Fa-thati. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد في العقد. Allez avec moi. في العقد 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 في العقد. Allez après moi. في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد. On va le dire maintenant un peu plus vite. في العقد في العقد. Allez après moi. في العقد 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 في العقد. Allez, on reprend le verset depuis le début. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ 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 وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Allez, tout depuis le début, les 4 versets. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Ce qui est important, c'est de prononcer bien chaque lettre, distincte des autres lettres. Chaque lettre a un droit et on doit respecter son droit et on doit lui donner son droit. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. Elle est encore trois fois. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Et ce sera fini, Inch'Allah. Donc il ne reste pas grand-chose. Cinquième verset, on commence pareil avec وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ. Donc on va prendre le mot qui vient juste après. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ 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 إذا حسد إذا حسد. Avec moi. إذا حسد 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 إذا حسد. Après moi. إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد. Allez, on répète, on répète, on répète. إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد. Allez, on prend tout le verset, le dernier verset. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Allez, on se réveille. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. 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 On reprend tout depuis le début. On va faire ça au moins, allez, 5 + 5, 5 + 5, 5 + 5. Allez, on fait ça 20 fois minimum. Je vous dis 20 fois, comme ça je suis obligé de le faire. Les anges notent, on dit quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Coup de pression envers moi-même. Allez, c'est parti. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Quand on apprend tout seul le Coran dans plusieurs pays, quand on l'apprend, eh bien on ne l'apprend pas de cette manière-là, on l'apprend beaucoup plus rapidement. Par exemple, ils vont dire comme ça, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Ils l'apprennent vite, pour que la langue elle l'apprenne vite. Mais ça, c'est quand vous saurez bien lire, bien écrire, que vous connaîtrez très bien et que vous aurez une lecture fluide, vous pourrez prendre vous-même le Mus'haf. Le Mus'haf, c'est le Coran, hein, c'est le livre en fait qu'on appelle le Mus'haf, et vous pourrez apprendre comme ça par cœur les versets, et après vous apprenez avec un professeur et vous améliorez votre lecture et au fur et à mesure comme ça. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ. Je me suis oublié. On recommence. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allez, courage, encore 5 fois. Et croyez-moi, 20 fois, c'est pas beaucoup. Dans les écoles de Coran, ils peuvent réciter ça 30 fois, 33 fois, 50 fois, 100 fois. Ah ouais, sans rigoler. Donc 20 fois, c'est pas grand-chose. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Encore trois fois. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allez, une dernière fois pour le plaisir. Puisque c'est un plaisir. Ce n'est pas une corvée que d'apprendre le Coran, c'est un grand plaisir. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Et ce sera tout pour cette vidéo. Barakallahu fikum, surtout si vous êtes arrivé jusque là, c'est que normalement maintenant vous la connaissez par cœur. Si ce n'est pas le cas, pas grave, marche arrière et on recommence. Et ensuite, comme c'est une sourate, c'est un chapitre qu'on récite tous les jours plusieurs fois, le matin 3 fois, après chaque prière on le récite 1 fois, on le récite le soir 3 fois, on le récite avant de dormir, on récite quand on est malade, on récite quand on veut guérir quelqu'un également par le biais d'Allah bien sûr, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est vraiment un chapitre qu'on utilise énormément dans la vie, donc apprenez-le sincèrement, correctement, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo, incha'Allah, bye bye, assalamu alaikum wa rahmatullah.